C'est un sport tout à fait nouveau que nous allons vous présenter maintenant. Il s'agit d'une discipline très spectaculaire qui combine la descente en parachute et le vol en aile libre. Le résultat du compromis, vous allez le découvrir avec ce reportage d'Anna Darko. Un, deux, trois. Continue, prends la vitesse. Oh, d'habitude, il faut sauter avant d'ouvrir son parachute. Ici, il faut ouvrir son parachute avant de sauter. Cours encore. Ouais, c'est bon. Cela s'appelle le vol de pente. Mais avant de connaître les joies énigmantes du vol, il faut quitter le sol et sans vent, une bonne paire de jambes et de l'optimisme, ça sert. Faut que j'aille. Ouais. Tu me donnes une main ? Avoir beaucoup d'expérience pour faire ce genre d'activité. En parachutisme, pas mal. On y arrive très vite, c'est très amusant. Ça peut être dangereux ? Non, c'est bon. Dans un site comme ça, avec des gens qui ont du métier, c'est pas possible que ce soit dangereux parce que les gens savent manier un parachute. On va essayer ? On lâche ! C'est trop tard. Il est monté, il monte à bout de bras, faut le lâcher. Faut le lâcher tout de suite, comme vous. On lâche ! C'est vraiment le sport écologique, ça. Ah oui. C'est vraiment du sport parce qu'il faut marcher. Allez, on court. Y va. Oh. Non, non. Merci de votre attention, c'est Eric Gilles.
out of little saying that you've got to be dumb enough to want to do this and smart enough to get it back to the ground safe.